Bonjour à tous, bienvenue dans votre routine sportive. Aujourd'hui, trois parties au programme. La première, mobilité, échauffement et renforcement musculaire. C'est parti. Pour la mobilité, il s'agit de soulager le bas du dos. Prenez un tapis, mettez-vous à quatre pattes. Amenez un de vos pieds dans l'axe de vos mains. La main du milieu doit être maintenant au-dessus de votre tête, bras tendu. Revenez en position initiale et changez de pied. Pour un échauffement efficace, nous allons faire 30 secondes de down and up. Mettez-vous en position de planche et relevez-vous. Secondes de planche dynamique ou de pompe sur le rebord du canapé. Et 30 secondes de montée de genoux que vous pouvez transformer en marche active. Tout ça à effectuer 4 fois. Je vous propose 4 exercices de renforcement musculaire terriblement efficaces et qui peuvent considérablement améliorer votre posture, à condition qu'ils soient bien exécutés. Je compte sur votre attention et votre rigueur pour appliquer ces quelques conseils. 1 minute, 1 mouvement. Vous pouvez ajouter des charges additionnelles telles que bouteille d'eau, pack d'eau, kettlebell ou autre haltère. Première minute, effectuez 10 à 16 répétitions de squat bulgare. Surélevez un pied et l'autre pied stable au sol pour former un angle de 90 degrés au niveau du genou. Soyez droit, réalisez une flexion de la jambe au sol, le poids sur les talons et sur un axe vertical. Attention, pour ce mouvement-là, le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Pensez à faire moitié-moitié dans la minute. Deuxième minute, 10 à 16 pompes surélevées. Vos deux pieds sont surélevés sur un rebord. Restez en gainage, ce sont uniquement vos bras qui se fléchissent. La poitrine vient le plus près possible du sol et les coudes sont le long du corps. L'option reste la pompe simple sur les genoux. Ou sur le rebord d'un canapé. Troisième minute, 10 à 16 sit-ups. L'option est la suivante, cela reste du gainage le plus longtemps possible dans la minute. Quatrième minute, 10 à 16 répétitions de soulevé de terre. Mettez-vous au-dessus de votre charge droit, pied à plat, les fesses basculent vers l'arrière, saisissez la charge bras tendu en ayant les mains à mi-tibia. Le dos est droit, c'est-à-dire pas de dos. Poussez sur vos talons et redressez-vous. Votre bassin et vos épaules évoluent à la même vitesse et restent bien alignés. Pour reposer la charge, les hanches et les épaules basculent à la même vitesse et le dos reste droit. Le nombre de répétitions peut varier en fonction de votre niveau de vos charges. Le plus important ici est que la qualité prime sur la quantité. Ces 4 exercices peuvent être répétés 3 fois pour les débutants et 4 à 5 fois pour les plus habitués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est également la fin de ces vidéos spéciales confinement. J'espère qu'elles vous ont été utiles en ces périodes difficiles, que certains d'entre vous ont pu se remettre au sport ou alors de garder une motivation pour une activité physique. Vous pouvez toujours regarder ces vidéos pour mesurer votre progression. J'ai été ravi de partager cela avec vous. Merci de nous suivre aussi nombreux. Je vous dis à bientôt dans un autre contexte. Prenez soin de vous.